Récupérer des ballons. Et là, pour le coup, les femmes Calderon n'étaient pas organisées dans le repli et elles sont sanctionnées. Et pardon, Marion Razzolo-Pozon, qui est la numéro 7 de Charleville-Mézières. Hein. J'ai dit une petite bêtise pendant que Pozon. Bien dans le backdoor. Au contraire, voilà. Par la longueur de Tournevis. Séché, qui perdent les ballons. Ah, c'est une forme pour retrouver la Tournevis dans le secteur intérieur. La bonne passe, la bonne déviation pour Tournevis, c'est du tout cuit pour Alicia Tournevis. Entre Bourget et Charleville-Mézières, le ballon dans les mains de Tournevis qui se retourne. Le fade away. Voilà le bagage technique qui est proposé. 7 points pour Tournevis sur ce mouvement de qualité. Ouais, puis ça fait plusieurs fois là. Deux dernières minutes, Ferré. Tournevis servi, servi et ouais. Trop facile pour Tournevis qui vient passer les 9. Colin, elle est passée et Tournevis vient là avec agressivité et envie. Il faudra regarder son nombre de rebonds. 9 rebonds à la fin du troisième. Elle doit être en double-double. Elle est en mode double-double. Oui, elle est en mode double-double, ouais. C'est certain. Bon aussi à la fin. Elle essaie de rassurer ses joueuses dans son discours. Tournevis. Très bien joué. Superbe, voilà. Superbe le panier avec de l'adresse en plus sur ses paniers. Non, il n'y a plus de temps mort. 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 Mais c'est Tournevis qui prend un 14e rebond. C'est fini. 14e rebond pour Tournevis qui ira sur la ligne des lancers francs. Il est de la finale. Premier lancer raté, le deuxième est réussi. Et c'est pour prendre 4 points d'avance. 4 points d'avance, c'est suffisant pour l'emporter. Le centre de formation des Tango Bourges. Les Tangos remportent la compétition U18. Après 2016, elles sont de retour au top du top des centres de formation en France. Et ils commençaient à organiser un clapping géant. Mais il y a le trophée de MVP à récompenser. Et la MVP, c'est elle, Alicia. Alicia Tournevis qui remporte le trophée avec 16 points au compteur et 14 rebonds. Double-double monstrueux.